Des petits tiraillements, donc comme chaque semaine. Donc on sera obligé d'attendre un petit peu pour demain déjà. Mais sinon, tout va bien. On a Philippe Poteau qui recommence à courir, mais bon, pour cette fin de saison, c'est mort. Et Christophe Ferret qui va bien, qui poursuit sa rééducation ainsi que Paul. Sinon, après, comme je vous dis, des petits tiraillements qui sont dus soit à certaines fatigues, soit à des coups qui ont été pris sur le dernier match. Mais sinon c'est plutôt bien. Donc, dimanche, 21h, on a hâte d'y être. Oui, parce que les semaines, c'est des semaines longues, hein. On a envie de faire les matchs, effectivement. Mais en tout cas, bon, on se prépare dans le meilleur. Dans les meilleures conditions, l'essentiel c'est effectivement de ne pas trop avoir de garçons touchés, blessés, d'avoir tout l'effectif et que tout le monde ait pu récupérer après le match de Montpellier. Ça c'est la priorité. Une 38e journée, c'est évidemment un moment particulier dans une saison. Là, c'est encore plus particulier parce que vous avez joué votre maintien et plus particulier parce que vous avez joué un candidat au titre. Comment vous gérez ça? De toute façon, on n'a pas le choix, il faut le gérer. De toute façon, comment on le gère? On travaille, on avance. On a vu le dernier match du PSG, on sait que c'est une des meilleures équipes d'Europe aujourd'hui. Que l'on doit faire un exploit, mais on a l'audace d'y croire, ça c'est sûr. Qu'on le prépare, bien sûr, avec toute l'attention, comme on a préparé. Les derniers matchs. Et puis après, on sait très bien qui on affronte. Hein. Voilà. Je le dis, c'est certainement une des meilleures équipes d'Europe qui a aussi quelque chose à jouer, malheureusement. Voilà. Mais nous, on a un match à faire. Donc, on va le faire avec toute l'énergie possible. Ah, ça a déjà joué trois fois, deux fois le PSG cette saison. Ouais. Deux fois le même score, 3-0. Ouais. Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui peut changer? Encore une fois, Chaque match est différent. Voilà, chaque match est différent. Les compositions vont être certainement différentes aussi. Donc, comment faire différemment? Ils auront certainement toutes leurs forces. Ça c'est clair. À nous d'être au mieux de notre forme. Après, les choses que nous on maîtrise, c'est à être notre organisation, notre discipline, notre courage, parce que là, il faudra beaucoup de courage. Ça, on le maîtrise. Après, si le PSG est largement au-dessus, c'est à eux de nous le montrer. Est-ce que c'est pas aussi le mental qu'il faut travailler, enfin que vous avez peut-être travaillé cette semaine et qu'il faudra mettre en avant au moment du match, dimanche? Mentalement, on n'a pas aussi, on n'a pas le choix. Hein. De toute façon, il faudra être fort mentalement. On sait qu'on aura des moments difficiles dans le match, on l'a déjà appréhendé, on en a déjà bien sûr parlé. Voilà, on sait très bien qu'on aura ces moments difficiles et qu'il faudra les passer au mieux. Et pour les passer au mieux, c'est d'être dans l'esprit collectif total. Voilà, il y aura des replacements rapides, il y aura des duels, il y aura cette discipline que je demande depuis un bout de temps, que l'on a vu peut-être un peu plus à Montpellier, là, une discipline, une volonté de ne pas prendre de but. Il peut y avoir des coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, c'est quand même un point fort aussi chez les Parisiens. On avait aussi payé, nous, par rapport à ça, il y a quelques temps contre eux. Est-ce que ces matchs-là où on a joué contre eux ne vont pas nous servir? Je pense que si, voilà. Parce que sur certains moments du match, on a été un petit peu déconcentré. Je parlais de moments actuellement sur les coups de pied arrêtés. Et des fois, ça fait basculer des matchs. Donc, cette hyper-concentration et présence que l'on doit avoir, voilà, plus renforcée par le mental. Bien sûr que mentalement, il faudra être fort parce qu'on sait où on va, on sait qui on affronte. Est-ce qu'il faudra les jouer différemment, Olivier, que sur les deux matchs? C'est-à-dire?
Voilà, il y a eu deux adaptations tactiques sur les deux premiers matchs. Ouais. Est-ce qu'on conserve la philosophie qui est celle du Stade Brestois ou est-ce qu'on tente autre chose? Mais la philosophie, là, elle est simple, hein. il faut ramener un point. Donc, on va tout jouer par rapport à ça. Et après, obligé de garder et de regarder les qualités des uns et des autres chez nous. Donc, est-ce qu'on est en capacité de jouer très haut et d'aller chercher, je ne suis pas sûr que de laisser beaucoup d'espace dans notre dos va être avantageux, par exemple. Voilà. Donc, bien sûr qu'on va jouer avec eux, vont jouer avec leurs armes, nous, on va jouer avec les nôtres. Ouais. Sachant que, pardon, tu disais un point suffit, selon toi, ça... Bah, écoute, si déjà on prend un point, je ne sais pas, si on en prend trois, mais si on prend un point, ce sera déjà pas trop mal. Sachant qu'est-ce que la particularité justement d'un multiplex d'une dernière journée comme ça, ça amène aussi à réfléchir différemment et à poser le constat que tu viens de poser, c'est-à-dire que si l'Orienté est strasbourgeois, à la mi-temps, on voit que Brest se tient tête au PSG, oui. Eux aussi de leur côté, peut-être que ça amènera à... Oui, certainement. Après, je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur nous en priorité. Après, sur les adversaires, même si moi je me mets... côté de la Méno sur le match de Lorient, c'est pas évident non plus à gérer comme un match. Je pense que les deux équipes auront à cœur certainement de se protéger et d'aller gagner parce que voilà, de jouer le match nul risque d'être dangereux. Est-ce que c'est un petit gâchis quand même, Olivier, d'être comme ça au bord du précipice, du barrage à la dernière journée, alors que vous sembliez avoir votre destin en main bien avant? Oui, c'est ce que vous dites. On semblait à l'abri. Mais en football, on n'est jamais à l'abri. Je pense que vous m'avez toujours entendu être très prudent là-dessus. Maintenant, on est dans cette situation-là. Maintenant, après, je pense que lors des bilans, on la fera beaucoup plus tard. Aujourd'hui, on est dans cette... Dans ce moment-là, dans cette présence-là. Voilà. Effectivement, on a eu des jokers, on ne s'en est pas servi. On les a grillés, un après les autres. Aujourd'hui, le constat il est comme ça. Après, il ne faut pas oublier que par rapport à notre situation, je ne reviens pas à chaque fois, mais notre budget... par rapport à certaines blessures de fin de saison, etc., on a quand même 41 points. Et que c'est une année peut-être exceptionnelle, parce qu'il y a certaines équipes qui ont marché par cycle, qui ont mal fonctionné, et puis après qui enchaînent des bons matchs, et d'autres à l'inverse, comme nous, on a enchaîné des matchs très, très moyens. Voilà. Donc, mais à l'arrivée, notre objectif, nous, c'est le maintien. Voilà, donc on est tous sur ce match-là, on fera le bilan après. Steve Mounier, vous, dès dimanche soir, vous avez évoqué la possibilité de jouer les barrages, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est de la lucidité par rapport à la tâche contre le PSG? Ça fait partie d'une possibilité, c'est pas aujourd'hui, c'est pas du tout la priorité, voilà, mais ça fait partie des éventualités, donc simplement évoqué. Aujourd'hui, on parle essentiellement du match du PSG. Est-ce que c'est une crainte, les barrages, quand même, Olivier? Parce que on sait que ça ne profite pas forcément aux équipes supérieures sur la dynamique. Oui, mais après, je ne vais pas vraiment voir les stats. Moi-même, quand j'étais joueur, je jouais les barrages trois fois. Et en fait, je ne les ai gagnés qu'une fois. Donc, les barrages pour l'équipe de Ligue 2, c'est quand même aussi un périple. Donc aujourd'hui, je veux dire, moi je ne suis pas là pour parler des barrages, on verra après si ça a lieu d'être. C'est pas sûr du tout. Vous n'avez pas commencé à regarder Toulouse et Grenoble? Non, je vais regarder le PSG cette semaine. Ce qui est logique, non? Au-delà du score, au match aller, vous les aviez pas mal ennuyés. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez servir ce match-là? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce que nous on a vécu sur le match du PSG. On a regretté d'avoir pris un but sur corner, voilà, parce qu'on était plutôt dans une bonne phase.
Et bon, bah, il joue bien ce genre de phase-là, mais on a été naïfs. On se souvient bien qu'il y a eu un bloc là-dessus. On a été un petit peu naïfs, un petit peu figés sur ce genre d'action. Ça peut nous servir pour le match de dimanche. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs, en tout cas. Comment vous sentez vos joueurs cette semaine? Est-ce que vous les sentiez plus tendus que d'habitude ou plus concentrés ou... Non, on sent de la concentration, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a été déçus de suite après le match par notre résultat, parce que bon, on a eu pas mal d'occasions à Montpellier, et puis par les résultats adverses qui étaient plutôt favorables aux équipes qui sont avec nous. Mais j'ai pas l'impression que ça n'a pas duré vraiment longtemps. En fait, on s'est remobilisé assez rapidement. Et j'ai senti à l'entraînement une vraie détermination, en tout cas. Voilà, il y a de l'énergie à l'entraînement. Il faudra le transférer en match dimanche. Vous allez être aussi un peu arbitre pour le titre, à distance. Ouais. Bon, ça, c'est une donnée qui vous est étrangère, on imagine. on sait que PSG vient pour quelque chose, en tout cas, ça c'est clair. Même si ils ne sont peut-être pas en position hyper favorable comme les autres années. Mais ça on sait, mais comme je le dis, après, chacun ses problèmes. Je crois que nous, on a les nôtres aussi. Quoi. Ce sera un authentique exploit de les accrocher, selon vous? Oui. Oui, c'est un espoir, bien sûr. Maintenant, ce que j'ai dit aux joueurs cette semaine, c'est qu'ils avaient été accrochés quand même pas mal de fois cette semaine, cette saison. Donc ça donne toujours une lueur d'espoir quand même par rapport à ce qu'on a vu cette saison. C'est une très très belle équipe qui a fait un superbe parcours en Coupe d'Europe, mais ils ont eu des accrochages. Je ne vais pas vous refaire toute l'historique de cette saison, mais je pense que c'est depuis pas mal d'années, ils ont ces petits accrochages à l'extérieur ou à la maison face à des équipes beaucoup plus modestes. Pourquoi pas nous? Est-ce qu'il faudra se méfier particulièrement de Kylian Mbappé? Nico Kovac a dit que c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Actuellement, je pense qu'il est enfant, on va dire. Voilà, je n'ai pas besoin d'être un expert pour parler de... Ça, vous l'avez vu comme moi, je pense que c'est le danger numéro un. À Brest, c'est aussi en coupe, il nous avait fait mal. Que ce soit un des meilleurs joueurs du monde, oui, effectivement. En tout cas, si ce n'est pas le meilleur joueur, il fait partie des grands joueurs. Et ce sera un vrai défi pour nous, pour nos défenseurs, de se frotter à lui, en tout cas. Olivier, on a annoncé un accord de votre part avec Montpellier cette semaine dans la presse. Est-ce que vous confirmez ça? Je ne parlerai pas de moi. Il y a d'autres, je pense qu'on est déjà qui parlent pour moi. Mais non, je n'aborderai pas ce sujet-là aujourd'hui. J'ai d'autres préoccupations que ça. Voilà. Vous infirmez tout l'accord? Je ne parlerai pas de moi aujourd'hui là-dessus. Il n'est hors de question. Est-ce que c'est pas embêtant de ne pas avoir fermé clairement la porte il y a déjà quelques semaines quand vos noms circulaient? D'avoir dit clairement, moi je suis au stade brestois. Je l'ai dit. Vous l'avez pas dit si fort que ça, vous avez dit que dans le foot on pouvait parler. Je l'ai dit. Je l'ai dit après, beaucoup de monde parle. Pour moi, j'ai vu mon collègue cette semaine qui, d'Angers, qui disait on sait mieux que moi. Effectivement. Ouais. Je le rejoins dans son groupe. On va être quelques-uns à faire un groupe là-dessus. Alors, chacun voit ce qu'il veut voir. Chacun, voilà. Donc, aujourd'hui, comme ça, j'ai vraiment d'autres préoccupations que ça. Est-ce que ce que vous avez vu à Montpellier vous incite à refaire confiance aux joueurs que vous avez mis dimanche dernier? J'ai vu un état d'esprit un petit peu différent sur Montpellier par rapport au match de Nice. Le match de Nice a été un bon match aussi, mais avec un manque de présence, de concentration. Là, il y a eu beaucoup plus de concentration. On l'a senti, alors chaque match est différent. Il y a beaucoup plus d'énergie collective, de lien entre les joueurs.
Oui, bien sûr que je vais le prendre en compte par rapport à ce que j'ai vu. Après, dans les joueurs qui nous rejoignent, on n'a pas parlé, mais il y a Jean Lucas qui était absent suite à son accident, qui lui va revenir aussi. Donc, voilà, il y a des données à prendre en compte, pas énormément, mais quelques-unes comme ça. Jean-Lucas, c'est pas compliqué de le remettre sur un match comme ça, après les péripéties, après... Je n'ai pas dit que j'allais le remettre, mais... Non, mais... Par rapport à son accident ? Par rapport à son accident, oui, par rapport aussi au fait qu'il soit en prêt, qu'il soit... Ah, on a quelques joueurs qui sont en prêt, voilà. On a Fadiga qui est prêté par le PSG, et on a aussi Pierre Gabriel qui est prêté aussi. Mais... Oui, par rapport à l'investissement, on va dire. Ouais. Là, mais quand on est professionnel, c'est investi sur le dernier match. Hein, en tout cas. C'est ce que je souhaite. C'est bon?